Hello. Dear friends of animation, welcome, welcome, welcome back again here in Syros. I'm really excited because we are 9 years now. Ninth edition of the Agora, 16 years of Anima Syros Festival. Yes, it's true. I can't believe it, but it's true. So welcome to the ninth edition of Agora. We try every year to organize 4 days of interesting master classes, roundtables, presentations. But most of all, what we really want to succeed is interesting encounters. We want you to get together, to foster all the collaborations that we can succeed, synergies, and let the animation community to become bigger and bigger. So one of these collaborations is with the University of the Aegean. Every year we collaborate, but this year we have a new, action. It is the Future Lab, and we have the joy and the happiness to have with us Monsieur Serge Verny and Takis Kyriakoulakos, Panagiotis Kyriakoulakos, who started already yesterday the Future Lab with presentations and master classes, and all the students of the Aegean may attend the Agora and participate to Agora actions. So let me introduce dear Serge. Let me have my notes because I can't remember all these people. So Serge Verny, animation filmmaker, designer, animator for many studios, commissioned films, series, feature films. He's lecturer at the University of Strasbourg, then professor at ENSAD, Paris. He is coordinator of the Shapes of Movement Research Group, ENSAD Lab. Author of articles on cinema and the plastic arts, the experiences of drawing in animated cinema, and co-written with Patrick Barrès. Dr. Panagiotis Kyriakoulakos is an assistant professor in computer animation and the Department of Product and System Design Engineering of the University of the Aegean. He received the Grant of Excellence Research in Paris in 2013 from the City of Paris to conduct research in Paris. And he also received the title of Chevalier de Palme Académique by the French Ministry of Education in 2014. And he has served also as vice president of ASIFA ELAS. So the theme is forms of movement, and the floor is yours. Welcome. Thank you. Thank you. To say that this is a bilingual session, so we will hear Serge speaking in French, and I will just give a resume of what he's saying, and the subject is related to the research in animation, because we have also a real important section of research in the animation field that is less known from the practitioners, and it's time to be recognized also in this community of Anima Syros. So Serge will take the floor and tell us exactly what they do in ENSAD, the institution from Paris, and also his own research project, Forms of Movement. Serge. Thank you. Je remercie l'Université d'Aigée et l'équipe d'Anima Syros
et tout particulièrement Panayotis Kyriakoulakos pour leur invitation. Je vais faire un très bref historique de l'école des arts décoratifs. L'école royale gratuite de dessin est fondée en 1766 par Jean-Jacques Bachelier sous Louis XV. Et c'est une école qui est reconnue d'utilité publique, qui va survivre à la Révolution. En 1823, elle devient l'école royale gratuite de dessin et de mathématiques, et avant de devenir l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Cette école contient 10 départements, dont le cinéma d'animation, qui existe en tant que secteur à part entière depuis 1995, qui a été instauré par Georges Sifianos, et où j'ai commencé à enseigner cette même année. So Serge is excited to be here with us, thanks to the University of the Aegean and Animaceros Agora, and he's giving us a brief overview of the ENSAD as an institution, the oldest institution in France, founded in 1766, before the French Revolution, and survived of the French Revolution also as a royal school of drawing and mathematics, and then became the famous École Nationale des Arts Décoratifs with the 10 departments and also one animation department founded by Georges Sifianos, who is the next speaker of the session. Alors, tout d'abord, je vais évoquer le cadre général et le rapport avec l'animation et où se situe forme du mouvement par rapport à l'école. À l'origine, ce groupe forme du mouvement ENSAD Lab est initié par Nicolas Nemitz, ingénieur en mécanique des fluides et professeur à l'école, et moi-même. Ce groupe a une activité depuis 2016. Et les membres réguliers du groupe ont des profils diversifiés et complémentaires. Je cite ces membres, Renaud Chabrier, ingénieur qui réalise des animations scientifiques, Claire Malrieux, artiste, Benoît Montignier, designer graphique, Richard Nègre, cinéaste expérimental, Georges Sifianos, cinéaste, Aurore Itier, architecte, et Benoît Pipe et Fabien Léostic, doctorant SACRE, PSL. Ce groupe s'inscrit à la croisée des champs disciplinaires dans le domaine de l'art au sens le plus large et dans le cadre des relations entre art et science. So we have now to give an overview of the group, the research group Forms of Movement, that is a multidisciplinary group. It was founded by Michael Nemitz, who is an engineer, and with Serge Verny also. There are a lot of different profiles in this group. I will not cite all the names because in the presentation you will see their projects also, and you will find who are concretely by their works. And we have also to say that this group is entering back in 2016. So this is a really modern group on the research in movement. Tout d'abord, il n'est pas inutile de définir rapidement les termes « forme du mouvement ». L'étymologie du terme « forme » souligne l'ambiguïté entre forme sensible et forme intelligible. Le latin « forma » qui a donné le mot « forme » en français traduit deux termes grecs, « morphé » et « eidos »,
la forme sensible et la forme intelligible, d'où les deux pôles de l'extériorité et de l'intériorité entre lesquels ce mot balance. En sanskrit, le même mot, rupa, sert à désigner la forme sensible et la forme mentale. We have now a definition of what form is, both in Latin and Sanskritic and Greek terminology, and we can see by the etymology of the word that it defines the interior and the exterior also characteristics of the movement, and eidos and morphe in Greek, it's the perceptual, physical, and also mental characteristics of the movement, perceptible or non-perceptible. Le mouvement est la conjonction de l'espace et du temps. Cette conjonction peut donner lieu à de multiples configurations et transformations. Après quelques considérations générales, j'évoquerai plus particulièrement les rapports avec le cinéma et l'animation à l'aide de quelques exemples des travaux des étudiants et des doctorants. Je continue. Oui. Le mouvement traverse différentes dimensions, physiques, perceptives et imaginaires. Répertorier, comparer, cartographier les mouvements, visible ou invisible, perceptible ou imperceptible, est l'un des objectifs quelque peu utopiques du groupe. Cet objectif a aussi une visée pédagogique. Comment se repérer pour s'orienter dans ces différentes dimensions et appréhender les phénomènes à travers le prisme du mouvement? Okay, now we have the definition of the movement as a correlation between space and time, and all the perceptual and the perceptual also forms of this correlation. And we have also to say that movement is a dynamic correlation of space and time, and that it's not related only to cinema and animation. We will have some concrete examples on cinema and animation, but it's a general concept that the group researches, and the problem has also an educational part, because by mapping, comparing, and also making the etymology of all the other things, a cartography of what a movement is in physical, biological, and also cinetic forms, we can have a better appreciation of how we can use it in practice. L'attention portée au mouvement suscite de multiples questions. Quelles sont ses qualités mesurables, physiques? Quelles sont ses qualités interprétées, psychologiques et subjectives? Dans une dimension philosophique et symbolique, le mouvement a-t-il une signification? Trois niveaux sont retenus pour un projet cartographique. La réalité physique et biologique du mouvement, le mouvement perçu de la perception visuelle, sonore et tactile à la kinesthésie, le mouvement représenté dans tous ses aspects. So we have here first composition of the mapping of the categories of movement that are researched in this group. Three categories are best described: the physical and biological reality of the movement, the perceived movement from the visual form to the kinesthesy, kinesthetic movement, and the movement as a representation in several forms. Les 12 axes du mouvement
ne s'oppose pas au principe de l'animation élaboré dans le studio Disney au milieu des années 30 avec Don Graham, qui ont montré ces principes du studio Disney ont montré leur efficacité et sont toujours utilisés avec des techniques et dans des contextes différents. Mais ces 12 axes s'inscrivent dans un cadre plus large, plus élémentaire, interdisciplinaire, qui n'ont pas forcément une application directe dans l'animation. La recherche de l'expressivité n'est qu'une partie à l'intérieur de ces catégories. This is very interesting to say that the 12 axes described in this map of movement forms is not compared to the 12 principles of animation of Disney. It's a very, very larger approach than the one of Don Graham in the Disney Academy. But we need to say here that it is not limited only to the expressivity of the movement, but also to general, more abstract options to research. And it is very interesting because, you know, the 12 principles of animation, as we use them right now in practice, are not yet categorized. So this kind of categorization here in general may also give us the way to define which term of the 12 principles of animation belongs to physical spaces or representational spaces, etc. So this will be very useful for the practice too. Je montre quelques exemples, enfin des textes et par catégorie. Enfin, il y a juste là, c'est juste un détail infime par rapport à beaucoup d'autres éléments dans chaque axe. Mais là, c'est un exemple de Georges Sifianos qui va parler après de la frise du Parthénon, mais où on voit un mouvement qui mouvement par résonance qui et se développe à travers plusieurs personnages. Donc dans une image d'une peinture de Bruegel, Les Aveugles, ou La frise du Parthénon, ou un exemple des maquis japonais. Isao Takahata a beaucoup parlé des procédés utilisés dans les emakimono, d'ailleurs le cinéaste Isao Takahata. Serge gave here an example from character-based movement in the Frieze of Parthenon, for instance, by analyzed by Joseph Janos later. But he will be focused mostly on the space-based movement, and that's why he just presented this slide for the beginning. Autre exemple sur des mouvements particuliers comme le mouvement, donc dans un autre axe, hein, sur l'organisation et le degré de prévisibilité des mouvements, le degré d'ordre ou de structure qui peut varier selon l'échelle des phénomènes. Par exemple, le mouvement de la marée est prévisible. Par contre, si l'on regarde une vague en détail, le mouvement de chaque vague est moins prévisible. Another example of concern when we research the forms of movement is the organizational structure of the movement, and there is the example of the tide that is previsible. We can say when the water is high or low, but the form of the movement of the wave is not previsible, and it's another organization of the movement to take into account. Et ces
ces phénomènes à différentes échelles peuvent aussi être transcrits de manière artistique. C'est le cas, par exemple, de Tempest de Schmitt, qui montre des mouvements de points blancs qui sont semi-aléatoires et qui obéissent aussi à une composition organisée. These differences of organization are mainly defined by changes in scale, and we have several artistic representations of this phenomenon in the slide shown by Serge. Pour définir les catégories, nous sommes aidés d'idéogrammes ou qui permettaient de parfois de superposer les différents axes, ces 12 axes du mouvement. Donc là, c'est un ordre qui est avec ce qui est humain au milieu ou les qualités humaines, le sujet percevant. En bas, les qualités physiques et objectives. Et en haut, la pensée, la psychologie, ou ce qui est subjectif aussi, ou l'imaginaire. Donc un ordre qui est provisoire, hein. C'est une manière de rechercher l'ordonnancement de ces axes, ou le croisement de ces axes. At this stage of the research in ENSAD, you can see several maps of correlation between different axes of movement, the 12 axes of movement that we perceive there. And this is a scheme starting from the physical realities in the back and going into the mental qualities in the top of the scheme. L'une des caractéristiques du groupe est d'examiner plus particulièrement les passages, les transformations entre les échelles, du détail aux vues synoptiques. Dans des milieux divers, comme le développement organique d'une plante, l'évolution des formes vivantes, les mouvements atmosphériques. Et là, vous avez un schéma simplifié, très simplifié, de la perception et de la répartition des mouvements dans l'espace du réel, dans la biosphère et la technosphère, qui comportent le vivant et le non-vivant, donc biologie, technologie, danse, art plastique, sculpture cinétique, et les mouvements dans l'espace artificiel, images animées, animation, cinéma, vidéo, nouveaux médias, art numérique, holographie, mapping, etc. So you can see here a slide on how we perceived the movement in the different categories of biospheres and technospheres that are concerning the living organisms and the artificial organisms also. So the main focus here of the research is between the transitions that we have in these different categories that we can define here. Donc c'est un schéma provisoire aussi qui peut être reformulé, là qui avait été mis au propre par Benoît Montigné, qui a fait sa thèse aussi sur l'audiographie ou sur les récemment, l'un des membres du groupe. It's an ongoing research, so we have to take it as a moment of the state of the art. Autre exemple de Claire Malrieu, c'est un schéma pour une œuvre de Claire Malrieu intitulée Climat général, collecte toutes les données planétaires sur le climat. Ça a été présenté à la Biennale de Venise en 2017, et donc je vais en parler un tout petit peu après, mais il y a toute cette littérature ou dans le XXe siècle qui est importante, qui sont les livres de par exemple de Vernadsky. La biosphère en 1926 et de James Lovelock
La Terre est un être vivant. L'hypothèse Gaïa, en 1976, où la Terre serait comparable à un organisme, explicite, et ces ouvrages explicitent les interactions entre le vivant et l'environnement géologique. Et dans le domaine artistique, en écho à la notion d'anthropocène, Claire Malrieux, qui est membre de notre groupe, a présenté une œuvre qui transpose les relations entre différents phénomènes. C'est une œuvre autogénérative avec la figure de Gaïa, la Terre, qui affiche un espace dynamique et organique construit sur des flux de données des principaux modèles prédictifs, des principaux modèles climatiques prédictifs. Donc là, vous voyez l'architecture du dispositif numérique qui représente la Terre Gaïa et quelques images de l'installation où les animations entourent les spectateurs. Et il y a eu aussi d'autres présentations. C'est quelque chose qui... ce sont des œuvres qui peuvent évoluer d'année en année, selon les données... ici, selon les données climatiques ou, et pour ses autres œuvres aussi sur ce principe-là. Autre exemple qui est plus biologique, l'animation peut rendre explicite des phénomènes complexes par la schématisation de mouvements ou représenter des phénomènes infilmables ou inaccessible. Je cite Dominique Willoughby, je viens de citer Dominique Willoughby dans le cinéma graphique, qui a des chapitres sur cet usage de l'animation. Et Renaud Chabrier, dans notre groupe, a travaillé sur des représentations graphiques à différentes échelles dans l'infiniment petit. Et à l'intérieur des cellules, et sa thèse est sur la géométrie sans point de vue. C'est comment représenter le vivant. Et c'est le projet Cytopique avec l'Institut Curie à Paris, avec des chercheurs de l'Institut Curie. Donc il y a une part de travaux en dessin dans l'infiniment petit et... aussi une part de vulgarisation pour les enfants et des films scientifiques et des films de vulgarisation scientifique. Là, c'est un magazine pour les enfants, faire connaître aux enfants le fonctionnement des cellules, un voyage à l'intérieur des cellules. Donc, let me give a brief overview of what you said. So we have here the works from two members of the research group in ENSAD, Claire Malrieux and Renaud Chabrier. Claire Malrieux is influenced by two books by Vernadsky and Lovelock that explain the connection between the environment and the they are describing the world, our planet, as a live organism in connection with the human, and they are inspired from the interrelations between the atmospheric data that we have in the case of Claire Malrieux and from the interior organization of the cell in our live human organism. And you can see two different works of art. The first one by Claire Malrieux that was presented in the Biennale of Venice in 2017. It was
real installation of atmospheric data that are changing with the time, and it's a living work of art because it changes with the representation of this data. And the other one here is an educational book for children that is showing the organization of the cells for children, and they are exploring the interior of our organism. Maintenant, je vais aborder un autre aspect du mouvement ou des transformations de l'espace, représentation de l'espace ou des formes et des mouvements d'ensemble et la simultanéité des différentes échelles. Et comme exemple, je prends un exemple de description classique, premier exemple. Le bouclier d'Achille reconstitué par l'archéologue Ludwig Weniger en 1912, époque à laquelle beaucoup de découvertes archéologiques et de la Grèce archaïque ont été effectuées. Et dans cette représentation, c'est dans le poème de Homère, hein, l'Iliade, dans le chant 18, il y a cette description d'Héphaïstos qui forge les armes pour Achille. Hein, c'est sa mère Thétis qui demande à Héphaïstos de forger les armes d'Achille. Et Homère fait la description du bouclier en train de se faire. La vie est insufflée dans cette séquence de fabrication. Les scènes se forment. La représentation du monde se déploie et ce monde semble animé. L'Ekphrasis raconte en détail un chant nuptial, les danses, la guerre, l'attaque des bêtes féroces, la campagne, les animaux, mais aussi le soleil, les étoiles, avec l'océan au bord du monde. Il y a différentes temporalités qui coexistent, le temps cosmique, le temps de la nature, le temps des activités humaines. Dans ces différents espaces, ces temps multiples se superposent avec une notion de montage simultanément en passant du particulier au général. Donc c'est un premier exemple d'espace ou de visualisation d'un espace à partir d'un poème, d'un extrait du poème. Here we have the representation of the space into a narrative. Narrative drawing, because they transform the verses by Homer's Iliad describing the shield of Achilles that was forged by Hephaestus, the god, and from the center to the periphery of this shield, you can find all the temporal episodes that they construct our world. So you have an example of narrative representation transformation of the world of the poet in images, pictures. Donc je vais continuer sur des questions de transformation d'espace, des questions de géométrie. Et Dominique Willoughby parle du cinéma graphique, et je le cite, qui apporte une nouvelle dimension d'effectuation à la géométrie. Alors, dans les films purement mathématiques, comme les films de Trevor Fletcher, mais ou d'autres auteurs, d'autres mathématiciens français. Mais il y a aussi des exemples de projections cartographiques
comme par exemple le film Impossible Map de Evelyn Lambert, qui a été réalisé à l'ONF en 1947 et qui montre les déformations des surfaces et des angles dans le passage de la sphère au plan pour les problèmes de cartographie. Je vais évoquer un cas particulier qui ne concerne pas directement l'animation, mais qui illustre une forme de mouvement d'ensemble à l'échelle d'une cosmographie. C'est un exemple tiré du livre « Les imaginaires en géométrie », publié en 1922, un livre de Pavel Florensky. Le sous-titre est « Essai d'une nouvelle concrétisation des imaginaires ». Le neuvième chapitre du livre traite de l'analyse de l'espace dans la Divine Comédie de Dante. Florensky est l'un des fondateurs de l'école mathématique de Moscou, de la théorie des fonctions, au début du XXe siècle. Et il considère que les idées platoniciennes existent dans un espace inversé par rapport au nôtre, un espace imaginaire. Pierre von Hove, physicien qui a traduit les imaginaires en géométrie en 2016, rapproche la géométrie développée par Florensky dans ce chapitre d'un trou de ver. Dans cette expérience de pensée de Florensky, il faut préciser que cette géométrie en quatre dimensions respecte la conception de Ptolémée, encore en usage à l'époque de Dante, hein, en 1300. We can maybe see also the slide that says of the double bottle of Klein. This is another example of transformation of the space via geometric and mathematical data that are give us concrete form of what is presented here. We have an inspiration by Willoughby back in the 1922. And we have a film made by Evelyn Lambert, the collaborator of Norman McLaren in the National Film Board of Canada back in 1947, on the transformation of the space via this geometrical and mathematical elements. And we have also the interpretation of the Divine Comedy of Dante, and also the Platonic ideas in the cave via geometric forms like this one in four dimensions that are appropriate to describe the relationship and the transformation of the space from the inside to the outside, like the double bottle of Klein here. Yes, it's like two Möbius rings on the schema. It's the combination of two rings of Möbius in this representation of for the ones of you that are familiar with four-dimensional geometry. It's a double Möbius ring. Juste un détail encore là-dessus, c'est important. Dans ce voyage, tout à la fois allégorique, symbolique et concret, le corps de Dante est pesant en traversant l'enfer. Et après l'ascension du purgatoire, de plus en plus léger, jusque dans l'Empyrée. Pierre von Hove, le physicien qui a traduit, souligne que le passage entre ces deux mondes nécessite de dépasser la vitesse de la lumière. C'est ce qui est dit dans le chapitre. Dans ce monde, la perte de causalité n'est plus un problème car les idées vivent en dehors du temps terrestre et la succession causale des événements n'a plus de raison d'être. Et donc, cette géométrie de la Divine Comédie a des aspects
de la géométrie non euclidienne. Et le narrateur, Dante, est revenu de cette traversée des trois mondes et nous raconte son voyage. Hein, c'est cette idée de boucle. Une remarque importante. I have just to translate because we can see here an example in the transition in space and the loss of causality when we go from the hell to the Imperium in the journey passing by the paradise also so the body becomes more light and it doesn't obey to the causality effects of the real world it is a body that circulates in the world of ideas and we have the possibility to translate it into more abstract movement forms. L'espace, qu'il soit homogène, réversible, géométrique, ou au contraire qualitatif, différencié, hiérarchisé, pour des raisons de conception esthétique ou d'ordre symbolique, implique des mouvements de différentes natures. So this is important to say that the space in every form, homogeneous or even reversible or geometric or even in abstract differentiated or undifferentiated form or in a hierarchy of forms is a generator of movement. So the space itself generates a movement. Là, c'est le ciel, la neuvième sphère, avec Dante et Béatrice, la sphère de la Lune, la sphère de Mercure et la sphère des étoiles fixes où Dante est emporté et son corps est de plus en plus léger. This is some representation in drawings of the several levels in Dante Divine Comedy from one level to another where the body itself becomes lighter. Pour revenir à un exemple plus restreint, là j'essaye de montrer différentes relations possibles entre le temps et l'espace. Cette conjonction du temps et de l'espace par le mouvement. On peut prendre l'exemple des solides illusoires d'Alexandre Alexeïev, qui sont l'animation d'un mouvement et un déploiement du temps dans l'espace. Je cite Alexandre Alexeïev, hein, ses expériences qui n'étaient pas destinées au public, il s'en est servi pour des publicités. Un mobile dont la vitesse a été accélérée à l'infini, devenant ainsi une vitesse si grande que sa durée a été réduite à zéro. Chaque image totalisée a eu sa pause de 30 secondes, réduite à un instantané sans durée aucune. No time. We have here an example of illusionary solid that is made by Alexander Alexeyev, one of the most important animators inventing also devices like screen with bangles and he gives here the idea of the acceleration of the movement in
in such a way that becomes invisible in our perception and becomes maybe a fixed image. Je vais passer très rapidement sur une partie de la communication. Là, c'est un point important pour les considérations sur le mouvement. C'est le système du cinéma d'Abraham Moltz dans son livre Art et ordinateur en 1971, qui, dans une démarche structurale, va séparer l'axe cinématique et de la schématisation iconale, de l'échelle d'iconicité. Et dans ce, y a une diagonale entre le réel, l'approche du réel et l'abstrait. Et cette façon de penser, de prendre du recul par rapport aux images me semble toujours d'actualité ou pour se poser des questions, et c'est évident pour des animateurs, mais de comment, quel mouvement pour quel type d'image ou stylisé, semi-figurative ou plus réaliste. So all these theoretical considerations that we had in the combination between space and time, now they become concrete in the case of cinema and animation with theory made by Abraham Moltz back in 1971 in correlation between kinetic and visual characteristics of the image, and axe, a diagonal axe that goes from the real, the realist representation to the abstract representation, and this is always taken by the theory information, actual for our research in cinema and animation for the moment. Donc, je vais passer sur les graphismes multidimensionnels qui sont une partie importante qui ont un rapport avec la pictographie et les matrices ou de mouvement. Et montrer des exemples des travaux des doctorants Sacre d'Ensad Lab, avec un exemple de la thèse de Benoît Pipe, Infra Object for Background Aesthesis. Et dans les travaux dans le cadre de la thèse Sacre de Benoît Pipe, Infra-objet pour une esthésie des fonds, soutenue en 2022, sont un exemple de partenariat avec une institution scientifique, le SPCI, École supérieure de physique et de chimie industrielle, dans le laboratoire de microfluidique et ENSAD Lab. Et Benoît Pipe s'intéresse, donc il y a une dimension éco-politique dans son travail. Il travaille sur des choses souvent extrêmement lentes ou extrêmement rapides, mais il s'intéresse à l'infime, à l'imperceptible, et à l'écologie de l'attention. Et dans la mise en scène des infra-objets, la focalisation sur des phénomènes ou des processus en apparence simples, de l'évaporation d'une goutte d'eau, un des premiers exemples, ce sont des gouttes d'eau, c'est une œuvre où on doit regarder ou faire cette expérience sensible de l'évaporation d'une goutte d'eau. C'est un des exemples de ces œuvres. Il a fait aussi d'autres. Donc il y a une partie qui n'a pas un rapport direct avec les mouvements. Là, je vous montre des parties qui ont un rapport avec le mouvement. Donc il a aussi collaboré à des revues scientifiques très sérieuse sur les fluides, une revue américaine, et l'équipe des physiciens de le SPCI. Et il a
fabriquer des supports pour faire rebondir des gouttes. Donc c'est du cinéma ultra rapide, ça n'est pas de l'animation. La prise de vue se fait à 10 000 images secondes, mais on va avoir des choses qui sont invisibles pour notre perception humaine et qui vont être enregistrées à vitesse rapide et donc projetées au ralenti. Et certaines formes sont assez étonnantes et proviennent de la vibration du support et des formes du support qui vont donner ce qu'il appelle des balais furtifs. Here we have a very interesting example of what we can do with the movement in the cinema and animation if we know the chemical and physical characteristics of the material. Benoit Pipe, he's a PhD researcher in SAD Lab and working with a famous Grand Ecole of chemical studies in Paris. And he is giving us an installation of water drops that are evaporating in a material that is vibrating also. So the study concerns both the characteristics of the water and the characteristics of the supporting material. And in this kind of installation, by having shooting of images in 10,000 images per second, we can perceive figures that are dancing as the ones that you've seen in the slides, and that are invisible if we are in a real environment. So the fact that Benoit Pipe has the knowledge of the chemical and physical characteristics of both the water and the material supporting, he's fabricating himself this material, the vibrating one, give us these very, very nice images to illustrate his work. Donc, oui, il faut finir. Oui. Montre juste deux minutes. I think this is the last example we have from a PhD research also. Des exemples de films d'étudiants où c'est surtout des transformations de décors. Hein. Un film de Shi Yan Wang de l'école. Un projet interactif de Luca Leonarduzzi et Antoine Morière, L'étang, où le spectateur, en rentrant dans l'espace de la représentation, va altérer, modifier l'environnement, voire détruire l'environnement. Donc sa seule présence modifie ou détruit l'environnement. Et enfin, un dernier film, c'est juste pour... j'ai fini. Pour représenter, c'est un film encore en cours de réalisation. Ici sont les dragons sur la transformation très lente ou sur la disparition des glaciers. C'est du bon titre. So these were examples from student works, graduation works in ENSAD that are using different techniques to illustrate all these theoretical considerations. And it's a pity that we don't have a time anymore, because we could say about how they translate all these theoretical considerations to practical, technical shootings. Here is a Bantitra image, but they have also interactive experiences that are including the spectator in the construction of the
the environment on screen. So I think that that's all we have to say. Okay, thank you very much. Thank you. Mille merci Serge, c'était vraiment intéressant, c'était très académique pour nous tous. It was really interesting, very academic though for all us who are not students or researchers, but it's really amazing. So what I suggest is that we go on with Mr. Sifianos, and we can have all the questions regarding analysis, movement analysis in the end of Mr. Sifianos' presentation, which is completely connected with all this. Okay, it's okay, no problem. We have surprises, yeah. Et on passe aux questions à la fin, après Monsieur Sifianos, comme ça tout va être connecté. Mille merci, mille merci. Ah, αυτά.